Jasage de jeu de rôle on the go. Comme promis, on est rendu en juillet. Je me dois de vous reparler de Unicorn Overlord. Je me dis que je n'en reparlerai pas avant juillet. Ben, je ne vais pas dire grand chose. C'est toujours le meilleur jeu au monde. Non, mais pour vrai, en fin de semaine, j'ai vu du monde. Ça m'arrive des fois. C'était du nouveau monde. Puis, le gars, il jouait à Magic, je ne sais pas trop. Fait que, parler un peu de Magic avec lui. Tu sais, puis là, on a checké. Tu sais, il a checké 2-3 de mes decks. Là, puis là, je me suis dit, est-ce que le monde. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de monde qui sont passés par Magic d'entre vous. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont joué à Magic. Parce que les jeux de rôle, les jeux de société, Magic, les jeux de cartes, puis même les jeux de Guy Warhammer, Warhammer Fantasy 40 000, tu sais, tout ça, là. C'est tous des jeux que je sais que cette gang-là, cette communauté-là, il y a des très bonnes possibilités que vous ayez joué. Hein? Ça se pourrait, tu sais. Je me demandais, est-ce que ça pourrait les intéresser? Là, je leur montre mes decks. C'est niaiseux, là. Mais peut-être, tu sais, parce que moi, je pensais que quelqu'un tombait du toit, tu sais, c'était un gars qui jetait des bouts de toit. Phew! Moi, j'étais un gars qui a joué à Magic quand même longtemps. J'ai joué du Revised 3e jusqu'à Vision Tempest, OK? Là, je viens de dire Vision Tempest. Je le sais que le trois quarts des gens, quand je leur parle de Magic aujourd'hui, ont commencé bien après Vision Tempest. C'est quand même une vieille histoire. Je ne sais pas c'est quelle année, là, je me souviens plus. Je pourrais faire mes recherches. Je n'ai pas de recherchiste sur ma chaîne. Il faut que je fasse toutes mes recherches tout seul. T'sais. Fait que j'essaie de me trouver quelqu'un, mais c'est pas facile de trouver de recherchiste en jeu de rôle et jeu de cartes de Magic. Mais en tout cas, ça pour dire que je pourrais vous montrer mes decks. Ce serait un trip de nostalgie aussi. On s'entend, là. Moi, j'ai joué à ça là, dans les années 90. Mi-90, fin 90. Là, ça a été mes bonnes années. J'ai fait quelques tournois. T'sais, même que, mettons qu'on rentre dans ma petite vie, là, j'ai été en couple. Puis, un moment donné, je me suis séparé et j'ai ressorti mes cartes. Okay? Entre 2004 et 2006, là j'étais célibataire, là, j'ai ressorti mes cartes Magic et je suis retourné jouer. T'sais. Mais là, ça faisait longtemps. Là. Pour vrai, mettons, là, j'arrondis ça. Là. J'ai été en couple de 99 à 2004. Là, pas joué à Magic. J'ai pas dépensé d'argent dans les cartes Magic. Fait que je suis arrivé en 2004-5-6 avec mes cartes de 99 que j'avais. T'sais. Puis j'ai joué, puis j'ai quand même fini 4e dans un tournoi. Bon, il avait fallu que j'enlève quelques cartes parce que ce qui était, dans le fond, le format du tournoi était que ce gars-là n'a quasiment pas fait son stop. C'est pour vrai le monde. Le format du tournoi, c'était les cartes qui sont restreintes à un étaient bannies. Puis j'avais deux cartes différentes comme ça. Dans le temps, là, c'était Fork et Sol Ring, si je ne me trompe pas. Ça, t'avais le droit juste à un dans ton deck, fait que j'avais le droit à zéro. Fait que là, j'ai remplacé ça par deux Shivan Dragon. J'ai fini 4e, j'ai eu bien du plaisir, tu sais. Fait que c'est ça. Je pourrais vous montrer mes decks de Magic, je pense. Un moment donné, je vais m'installer. Là, surtout que j'ai un nouveau setup avec une caméra qui peut filmer comme par en haut même. Fait que là, je peux mettre mes cartes en dessous, puis vous pourriez regarder ça. Puis on fait tout ça ensemble, on fait tout ça ensemble. J'ai un deck de zombies. J'ai un deck de blanc. J'ai un deck de noir, mais lui est spécial, ce deck-là, parce que un moment donné, entre 2006 et 2014, on a décidé de notre gang, on a dit, hey, on rembarque un peu dans Magic. Puis là, la manière qu'on a fait ça, la règle d'or qu'on a instillée, on achète une boîte. Puis moi, j'ai tout le noir. Puis telle personne a tout le vert, tout le blanc. Tu sais, chacun avait toutes les cartes d'une couleur, puis on se faisait chacun un solo deck de couleurs, juste une couleur dedans. Puis on jouait souvent notre gang ensemble. Fait qu'on pouvait se faire des matchs en étoile. Tu sais, des matchs en étoile, faut que tu tues les deux en face de toi, puis t'es l'allié de tes deux voisins. Là. On a fait ça une couple de fois. Tu sais. Fait que j'ai ce deck-là qui est un peu plus récent. C'était une série, par contre, ça donne mal. C'est une série qui mettait les artefacts de l'avant. Fait que c'était comme moyen. On n'a pas trippé peut-être. On n'est pas tombé dans le bon moment, tu sais. On n'est pas né à bonne époque, comme diraient ceux qui disent ça. Après ça, j'ai un deck de. Ils appellent ça. Moi, dans le temps, c'était un deck de blanc rapide. C'est un
deck précoce. Là. Puis là, ben, c'est un Winnie Blanc, ça s'appelle, genre. Toutes des petites cartes qui coûtent pas cher, tu sais. Puis là, d'ailleurs, tu sais, le gars, il regardait mon deck de zombies, puis là, il est tombé sur la carte Bad Moon. Bad Moon, c'est plus un, toutes les cartes noires. Puis tu es là, wow, man, plus un, quand t'en as quatre, ça appelle, malade. Ben ouais, c'est le principe du deck. Une chance qu'il n'a pas vu mon Winnie Blanc, tu sais. J'ai 4 Call to Arm, 4 Crusade, puis d'autres affaires, je pense, c'est ça, une Jolly Boy, ça donne plus de 2. En tout cas, le bonhomme coûte 1, il sort 5 First Strike, là, n'importe quoi, là, avec là, mon deck de Winnie Blanc. J'ai un deck pour jouer en multiplayer aussi. Ce deck-là, il est fait, puis souvent, je fais rien jusqu'à ce que je tue tout le monde d'un coup. Tu sais pas mal ça, le principe de mon deck. Ça de même. Et j'avais mon deck de Noël. Mon deck de Noël, il est rouge et vert. Ça fait Noël. Et il y a plein de surprises dedans et de cadeaux. Puis là, c'est là qu'il y a des forks. Puis il y a des enfants. Tu sais, dans le tournoi, là, j'ai joué mes affaires. Puis j'ai comme sorti un Shivan Dragon au deuxième tour. Tu sais. Fait que ça c'est un 5-5 flying au deuxième tour. Tu sais que la game, elle sera pas facile. Tu sais. Bon. Fait que. Pour vrai, j'ai le goût de vous montrer mes cartes Magic. J'aime ça. En fait, en fin de semaine aussi, on a parlé d'un autre jeu top-notch, c'est Blood Bowl. On a parlé de Blood Bowl avec Red Burger. C'est tellement un bon jeu, ce jeu-là aussi. Puis là, tu sais, on se disait, tu sais, on parlait, ah, ça serait le fun de faire une ligue de Blood Bowl, puis, ah, c'est difficile avec nos vies, puis tout. Là, j'ai fait comme, attends un peu. Là. Si on est capable de jouer une game de Brigantine, une semaine sur deux. Mais mettons qu'on dit qu'on prend cette soirée-là, là on le fera pas, là, mais mettons qu'on prend cette soirée-là une semaine sur deux pour dire on se fait une soirée de Blood Bowl. Moi j'ai 3 boards de Blood Bowl, ok? Fait que je peux faire 3 games en même temps. J'ai une table, puis c'est ça qu'on faisait avant. Avant, là, de mémoire, le mercredi après-midi, c'était ça. Le monde, il arrivait chez nous le mercredi après-midi, on mettait 2 boards de Blood Bowl sur ma table. Puis on jouait toute l'après-midi. Puis souvent, on avait le temps de faire 4 matchs. Je cherchais comment placer mes doigts. 4 matchs, tu sais, 2 fois 2 matchs. Ça avance vite dans la ligue, là, dans ce moment-là. Puis, ce qui était cool, c'est que la majorité du temps, tous les joueurs étaient là. Fait que tu voyais les matchs des autres. Ça, c'était intéressant. Puis on avait du fun, on riait. On se faisait de la poudre sur le cul des putes. Puis c'était vraiment drôle, là, tu sais. Fait que. C'est toutes des affaires que je pense. Là. Je me dis, on pourrait faire ça, tu sais. Ça serait possible, dans la limite du possible, de se faire une ligue de Blood Bowl. On faudrait setter ça comme une game de Brigandine ou de n'importe quel jeu de rôle, tu sais. Parce que je sais qu'avant, c'était plus. J'avais une ligue de Blood Bowl, mais le monde pouvait jouer n'importe quand. Je me disais, moi, j'ai le temps, n'importe quel soir, venez-vous-en chez nous, on fait des games, tu peux t'asseoir, oui, parfait, les deux joueurs s'emmenaient, puis on jouait. Mais c'était comme, il fallait s'arranger un peu à la bonne franquette. Ben là, on se ferait comme ça plus cédulé, tu sais. Parce que moi, j'ai pas joué. J'ai pas joué dans une ligue comme au. Le Guerrier de l'Imaginaire. Hey, j'ai un gros blanc, c'est pas le Seigneur des Anneaux. C'est les Anneaux du Temps, puis, Anneaux du Temps. Guerrier de l'Imaginaire. Puis il y en a eu Comic Masca aussi, il y avait une ligue de Blood Bowl à un moment donné, tu sais. Fait que, tout ça pour dire que, ouais, ça vous tente-tu? On regarde, même si ça vous tente pas, je vais le faire. Je pense que je vais essayer de me trouver un temps à un moment donné. Je vais dire, ah, j'ai le goût de faire ça là. Je vais checker mes decks de Magic, je vais vous montrer ça. Les plus vieux d'entre vous vont faire comme, ouais, man, c'est-tu Thunderbolt? Ouais, ça. Puis les plus jeunes d'entre vous vont faire, qu'est-ce que c'est ça, c'est-tu Terror? Bon, ok. Je vous laisse là-dessus, on se reparle bientôt. Bye!